Et puis donc ça, pour le traverser jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'autre marché. Et Dominique et tout gagne passer la caillou, sans déjà tout venir tomber à Haïti, parce que Haïti c'est vraiment un cafou. Un cafou capable de distribuer drogue plusieurs côtés dans la région. Et ça que fait Mabjou. Laurent Luis Abinadel profite de question Haïti pour le faire comprendre que Haïti représente une menace pour la région. Effectivement, et parole lien passé, les jeunes supports avec discours là. Parce que ce qui s'est passé, par rapport avec le groupe gang que vous avez dans le pays, il y a une facilité pour que la Colombie envahit le pays avec drogue. Et surtout, c'est l'oligarque corrompu qui a fait la loi. Pas oublier, son groupe colombien qui est rentré dans le pays a vient assassiner le président, côté de passé en Dominicani. Qui cartel drogue? Qui cartel narcotrafiquant qui lié de Haïti avec la Dominicani qui va facilité pour entrer des Colombiens dans le territoire dominicain? Yo fait scale, yo fait temps en Dominicani, yo mange au bon plaisir. Après ça, un avion privé qui prend yo rentrer en Haïti avec yo et puis rentrer en Haïti yo vient assassiner le président. Réfléchis sur ça. Qui gros narcotrafiquant? Qui gros trafiquant de drogue? Qui sous iléa? Qui quantité dit la drogue qui sous iléa qui facilite le trafic sa yo? Et me dit le lien important. Qui gros narcotrafiquant? Qui gros narcotrafiquant? Et m'a dit non. Dans plateau central. Dans plateau central, gen un nan pi gros dit la drogue que pays a te ka konnen. Son haïtien que lié. Li représente yon nan pi gros dit la drogue que la Dominicanité konnen et qui nan prison dans pays États-Unis, kote m'a pas la voilà. Li nan pays États-Unis, li nan prison, m'gen pou m'bay raison qui cause t'arrêter là. C'est monsieur qui te représente nèg sa multimillionnaire en Haïti. M'pa di l'autre côté dans plateau central. Si mon plateau central veut qui reste qui est. Bah la compliqué. Émission pas fait sur ça, je dis on a tourner sur ça. M'a dit nous que bataille pas facile. Bataille pas facile mais sauf que avec volonté moi qui dégage la caille nous et prier n'a continuellement prier bon Dieu dans ciel là. Pour ban force avec courage pour mettre lumière sur route nous pour qu'on capable mener combat monsieur qui n'a privé porter la victoire et défaite. Nous sur route là, nous ouais, victoire devant nous. Ça fait nous pas camper. Et Luis Abinadel continue à faire forcing, mais c'est des faux pas qui yoyé. Monsieur pas kakembe. Monsieur pas kakembe. Et m'bral ba nou, déclaration de journalistes dans médias dominicains et de politiciens dominicains, parce que attention, continue à monter, parce que j'aime dire nous, émission qui n'a fait dans le dernier temps, nous plus à chercher qu'on est ça qui dit dans les médias dominicains, pour nous permettre de comprendre qui j'ai l'opinion, comprendre bagay yo, qui ça cap dit dans les médias comment, politicien dominicain, ouais, Luis Abinadel. Nous pral, et donc comprendre ça, dans la démission ça, et c'est en pile cause que nous pral parler. Ensemble avec vous, déjà, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'a obtenu de nous, et vous regardez nous, encore une fois, son plaisir pour moi, pour que m'ensemble avec nous sur la plateforme Panoua, qui sur la plateforme YouTube, info, bientôt, m'a demandé de nous partager, commenter, like, abonnez si pourquoi abonner parce qu'il est extrêmement important pour que nous abonner avec plateforme ça qui c'est plateforme YouTube info bientôt abonnez partagez commentez like abonnez parce que le abonner avec plateforme ça facilite plus haïtien qu'on effectivement ça qui a passé dans le pays d'Haïti effectivement permet de comprendre la réalité là comme situation en avance. Woodlin Pierre gen menace sous doule li répété hier dans une émission avec Teriel Delus gen dominicain qui dans média. T'as bien oui? J'ai un journaliste dominicain qui était sur les ondes. Il dit comme ça que gagné des hommes d'affaires qui dans le secteur privé haïtien qui déjà contacté yo. Même je tourne Wanamet, gagné des hommes d'affaires qui contacté yo qui dit que yo gagne deux moun depuis yo exécuté moun sa yo de ce canal là ap campé. T'as bien pays ya. Gagné des oligarques dans Port-au-Prince qui relaient autorité dominicaine yo. Qui dit yon konsa ke, depuis yon met gren nan derrière yo, yon elimine deux moun. Nan wana met parmi deux moun sa yo, Woodlin Pierre se yon la dan. Woodlin Pierre se yon la dan. Et m'sûr, pasteur la se l'autre la. Parce que yon dit gen deux moun, c'est poumon de ce canal sa. Si nous elimine deux moun sa yo, canal la kampe. Woodlin gen menace sou doul. Et c'est Woodlin qui dit la bouche il tendel dans les médias dominicains. M'ap di Woodlin, pas gen de vie. Yon combat est un combat, mais fok nous la pour une bataille. Nous encourageons M. Bessapio. Pour nous gagner 10 agents Bessap qui détachés avec Woodlin. 10 agents Bessap lourdement armés. C'est nous qui disons, nous assumons. Parce que nous n'avons pas de presse. Depuis que nous avons besoin de tout, nous avons fait tout ça que nous connaissons pour tout.
pour le permettre d'entendre Woodline Pierre qui t'a expliqué ça. Et c'est grave contre lui. C'est vraiment grave. Woodline menace Soudol. Woodline menace Soudol. Il faut que tu fasses très attention. Dans le moment, il faut que tu mettes pilate et pirate. Monsieur Bessapio prend engagement non. Si nous t'avons l'armée, aïe aïe aïe. Si nous t'avons l'armée, monsieur. Nous avons fait un bel combat. Nous prenons le temps de Woodline Pierre. Dans la déclaration qu'il fait, côté qu'il a subi de menaces. Et c'est grave. C'est grave. C'est extrêmement grave. Nous pouvons attendre. Woodline Pierre qui a recevoir menace. Bon côté, autorité dominicaine. Et puis bon côté, oligarque qui soi-disant les hommes d'affaires dans le pays d'Haïti. Nèg qui touye Jovenel Moïse, ils ont touye Woodline Pierre, peuple haïtien. Entendez Woodline. Partagez mission pour nous. Parce que je dis là, c'est maman petite Marie-Vente. Lâchez coucou lié. Ce soit nous vivre tant que monde, ou bien Dominique pas jamais savoir nous encore. En entendant Woodline qui dit que la police voit des gros menaces, bon côté autorité des bon côté des États. Entendez, Woodline Pierre. Oui, moi je vois menace, et puis moi je vois menace sur la frontière la même, mon Capreline. Deuxièmement, il y a tellement qu'on est eux-mêmes. C'est ça l'espagnol, yo comprenne, que les comprenne l'air parler nous même nous pas comprendre. Parce que comme pas ka comprendre pour nous nos programmes télévisés ou a dit si yo l'idée économique haïtienne après les chaque jour, commerce traditionnel après les chaque jour, canal là va camper, il y a deux monde depuis éliminer au canal là tout camper. Attendez bien oui. M'bralé reprendre ni pour nous, m'bralé quitte nous tende tout, permettre-moi ça. Élite économique, Port-au-Prince là, relé, autorité dominicaine, qui dit, li dit comme ça que, canal la pral campé. Élite traditionnelle, en Haïti a relé yo, li dit que canal la pral campé, mais gen deux moun depuis yo éliminé yo, canal la ap campé. Ça veut dire qui ça? Nèg nan secteur privé dans le pays d'Haïti, m'te dit nous ça très bien. Depuis yo wè intérêt, yo enjeu qui intérêt, ça qui pral empoisonner nous. Parce que la vie nous pas dit rien pour eux. Parce que nous me dit nous Libanais haïtiens yo Libanais dans pays d'Haïti yo yo c'est des monde qui là pour tout haïtien seulement yo là pour tout haïtien automatiquement haïtien garder dans yeux et ben mon choix mourir et m'a dit peuple haïtien en nous préparer nous là avant que tout Woodline pour nous qui tout tout parce que qui s'est passé si nous qui t'en pas de tout nous comme ça c'est que nous suspendre monde nous pas qu'un nous groupe de monde a planifié assassinat chaque jour. Et pour moi, on va planifier des rencontres personnelles pour planifier, pour parler ensemble avec elle, qui dialogue avec comment on planifie ce scénario. C'est ça que je veux dire, c'est que le commissaire Miskade. Miskade dit ou pas qu'on a planifié assassinat et pour moi, on charge le dialogue. C'est arrivé sur lui tout d'abord. Je parle de tout haïtien dans le Port-au-Prince. Tout haïtien dans le département Nord, dans le Grand Nord. Veille qui est délégation qui a sorti du Port-au-Prince pour venir ouvrir frontière là et puis préparer bois calé sauvage là pour eux. Parce que c'est eux qui décident pour tout le paquet haïtien qui campait pour le Canada. Entendez de Woodline Pierre. Kabe explication dans l'émission Teriel Telis là. Entendez. Oui, moi je recevoir menace et puis moi je recevoir menace sur frontière la même. Mon Capreline. Deuxièmement, yo tellement connaît yo même. C'est ça l'espagnol, yo comprendre, que les comprendre l'air parler nous même nous pas comprendre. Parce que m'pas comprendre pour nous nos programmes télévisés ou a dit si yo et l'idée économique haïtienne après Léo chaque jour, commerce traditionnel après Léo chaque jour, canal là va camper, il y a deux monde depuis yo éliminé au canal là tout camper. Dans deux monde ça aussi là qui fait ça faut gros ça. Faut gros ça veut dire monde qui dit que mon cap casse du feu c'est moins relé comme ça. Ça veut dire yo gagne plan pour moi. Moi même tété, non ça m'entrer là, moi connais qui ça m'entrer. Si moun pa rentre dans gendarme, ou konnen nan ki sa mante, ou konnen m'ap atake, en pile intérêt. Et moi-même,
c'est pas pression, pas dire on bagaille pas arriver mais ça toujours arriver m'a fait prudence parce que moi même on voulait ouais nouvelle haïtien, voulait bataille, voulait well. Widlin Pierre, dis-nous non, comment ça y est pour l'instant à la mettre, comment travail a évolué parce que c'est une mode dans comité gestion canal là. On travaille à avancer, n'a pas avancé mieux pour le moment parce que il y a un pile détail correction que n'a porté parce que tout pour connaître ça c'est commencé et il demande nous pour agir, pour nous mettre nous agir vite, oui faut agir vite, faut agir bien tout. C'est dans logique ça nous est, n'a pas avancé à travailler par exemple nous fin ces barrages. Nous devions rivière là, qu'on a nous commencer le travail. Notre canal là, notre canal là, on a continué le travail et puis. Voilà. Ce qui est important là, c'est que Widlin Pierre sous menace. Widlin Pierre a une grosse menace sous dol. Côté que Luis Abinadel, avec l'équipe, c'est vrai. Parce qu'il dit que, eh bien, les médias dominicains sont tellement connus que eux-mêmes, c'est seul espagnol là seulement, ils parlent, ils comprennent. Yo pense nous-mêmes comme haïtiens, nous pas chercher comprendre ça comme dit nous. Nous mettre prendre temps, nous mettre prendre temps pour entendre info bateau. Parce que ça qui passé, monte équipe là, finalement nous une équipe là, on travaille ensemble là sous dossier la République dominicaine. Intervention tout politicien dominicain dans média dominicain. Et n'a vinn tra n'a vinn bon déclaration tout ça dit yo en créole pour nous permettre de comprendre réalité ya. Et ça cause nous même grand pile information que m'a banou là, c'est de bagay fiable qui oyé. Et bien qui ça qui passé, nèg yo dans média yo fait qu'on est que yo fait qu'on est que et bien normalement gagne des hommes d'affaires haïtiens qui dans secteur privé ya qui relé qui fait qu'on est que canal la pral camper mais pour canal la camper gagne deux moun qui est obligé éliminer parmi deux moun ça yo Widlin Pierre c'est une là-dedans mes amis me veut tout moun faire vidéo ça arriver exactement côté pour arriver pour nous tant pis s'il vous plaît parce que m'pa ba nous une situation compliquée de fait bataille pas ka camper. Situation compliquée, mais de bataille pas qu'à camper. Est-ce que nous qu'à quitter une colonne criminelle, une colonne assassin, sorti Port-au-Prince, vient exécuter Widlin Pierre? Est-ce que nous qu'à quitter un petit groupe conze, dans Wanamet, exécuter Widlin Pierre? Ça veut dire qui ça? Un groupe nèg qui n'a Port-au-Prince, qui prêt pour faire n'importe bagay, pour que effectivement, yon capable, jouer un intérêt, ou du moins continuer, faire haïtien manger poison, manger pour médicaments empoisonnés, acheter comme si vos mélanges sans respect. Et je dis à nous dit, fuck haïtien, gain respect devant Dominique. Nous ne pouvons pas de monde pour aimer nous. Là, il faut les monde aimer nous. Et c'est avec frère nous qui pourrait aimer nous, petit boubout nous qui pourrait aimer nous. Mais pas Dominique Québec fait qui pourrait aimer nous. Dominique Québec, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de monde qui a cœur. Il n'y a pas d'origine. On qui pas on qui peut apatrider yo yé on pas mon qui qui on côté au sorti OK son bouteille au joine OK un bouteille au joine sin de gelamé faut que ça faire le compte pas de travailler espace ça on pas de foot prendre on comprendre on dépense espace ça le compte pas de joine encore non nous t'es occupé espace ça encore nous t'es prendre net oui parce que nous pas gelamé sin de gelamé papa mais que faire les fous depuis la mise à déployer le militaire là son dans tout nous on pas qu'il arrive juste pour Ntakana on que devait pour Ntakana mon cher. Là, vous n'avez pas de contrôle, nous, là. Nous avons campé, nous avons discuté ensemble avec toute autorité, tout entrepreneur américain qui a investi dans la zone de Ntakana. Nous avons dit au bout de ça, effectivement, c'est bout de nous lié. Et Dominique, vous avez dit qu'on a ouvert encore des bouvets bouchou. Nous fouillons bout de la boue dans bouchou. Vous comprenez ça, monsieur là? Parce que c'est son nation qui dérespecte. Et nous devons être à son exemple. Et vous avez dit, café, frère, comme ça, comme c'est pas président dans la dernière élection qui est venu là, monsieur pas qu'à président. Monsieur pas qu'à président dominicain. Monsieur perd du plume. Monsieur perd du plume. Voilà. Et nous voilà dans les dernières déclarations de Widlin, et c'est un pile causé, Widlin parlait, ok? En nous de Widlin Pierre, qui fait déclaration piment bouc, côté qu'il parlait avec Luis Abinadel, avec toute équipe liant, qui pensait qu'il y avait venu passer ici. C'est ça où oui.
bien dans bêtise. Widlin Pierre. C'est un souffle qui baille nous tous. Je ne vais pas parler de seulement Wanamet. Frontière en sapit doit être fermée. Frontière Wanamet a fermé. Frontière Belade a fermé. Frontière Malpass a fermé. Pour nous connaître si nous avons l'argent dans nos mains, nous n'avons pas encore. L'argent n'est pas gâté. L'argent qui est dans nos mains, nous avons caché. Tout côté avec ces produits qui. C'est acheteurs qui manquent, ce n'est pas produit qui manquent dans la région côté nous y a là. Je dis Abinadel, ça le comprend de Haïtien. Alors comment c'est parce que toujours une prétention, yo ka anticipé comportement haïtien, nous faire nous pas jamais connaître qui ça qui haïtien. Si nous comprendre bien madame qui vini là, il vient porter une contribution. Et puis là remettre une contribution pour porter, il dit n'a porter plus oui, c'est parce que marchandise moins fermé en République dominicaine. Dit marchandise ou fermé et puis on porter comme sur canal. Il dit non, canal là-bas gagner pour marchandise. Si c'est si pour au lieu canal là camper. Si ce canal là pour camper, pour rejoindre les marchandises, le canal là est fermé. Et sans pile en pile histoire, je vais raconter nous dans ce sens ça, que pour nous prouver nous conscience, haïtien prend. Portail après fermé, nous pas dans le couloir humanitaire, nous pas de manger, nous pas de grand groupe, nous pas jamais entendre de moi-même qui vivent sous frontière. Dans ma vie, qui sont est-ce que c'est nous-mêmes vraiment qui te mettons dans la condition ça qui fait pas parler plus fort. Nous prenons nous et nous prenons nous là. Comment faire sous-estimer nous à un point tel que nous ne pouvons pas penser. Peut-être que Dominique, comme il parle, c'est une seule langue qui comprend. Leur parler, nous ne pouvons pas comprendre. Ou bien nous-mêmes, même le, c'est pas seulement ça parler que nous devons répéter. Ou bien nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire aucune analyse même pour nous connaître vraiment comment la situation est. Parce que nous avons des porte-paroles qui dit frontière a ouvrir le 13. Le 11, oui, il était supposé ouvrir le 13. On est trop pressé parce que les choux qui ont couru, les choux qui ont sorti, la ouvert le 11. Je me dis, qui frontière a ouvrir, qui n'a pas attendu nous. Parce que j'ai oublié de dire ça, il y a deux portes dans la frontière. Il y a une porte paroi, il y a une porte panoua. Porte pas nous en pas ouvrir pour nous recevoir soukouri pour nous recevoir. Là faut parler de pas même parler de porte, il parler de couloir, un corridor commercial comme quoi corridor ça va l'ouvrir pour ban nous tout ça yo t'a jeté yo que y a perdu ça t'a jeté à faire ouvrir un couloir humanitaire tant côté haïtien qui t'a prié qui dit grand goût. Moi si gen moun t'a prié dans tout ça moi sous réseau dans un journal télévisé, c'est Dominique qui a prié, qui a fait manifestation. Nous-mêmes, tant que fixer, nous qui avons un seul objectif, voilà qui pas nous, c'est retirer, construire canal ça, continuer à construire canal toujours, et puis pour retirer le pays, nous avons une dépendance nous gagnons par rapport à la République dominicaine. Parce que yo dit, nous ne pouvons pas exporter ni fer, ni produits électroniques, ni ciment en Haïti. Et bien, c'est seule République dominicaine qui fait bagaille ça, c'est seule là nous avons un ciment. C'est celle là nous ka jeune faire on t'a parlé et moun yo connaît déjà monsieur chambre de commerce discuter déjà gagner l'autre partenaire que nous ka joindre dans région qui traiter nous plus bien avec l'argent parce que moun ça connaît l'argent mettre moun qui gagne l'argent dans mais lancer roi mais dominique dans imaginaire yo toujours pensé au supérieur haïtien yo bon façon pour yo traiter haïtien parce que nous pas fin moun. C'est yo qui l'a comme monde, même si la mentalité est coloniale, c'est tout qui est dans tête dominicain. Parce que yo comprennent que nous, pas qu'à penser, c'est yo qui l'a fait. Parce qu'on pile produit, yo qui a raison. Parce qu'on pile produit, n'a pas en République dominicaine. La République dominicaine n'a pas produit. C'est importer, l'importer, et puis nous-mêmes, nous prenons. Puis cher, non, mais ça veut dire en Haïti, il faut que nous commençons. Pendant que nous ne pouvons pas gagner l'État qui a bon crédit.
eh bien, faut que nous commençons à unir nous, faut que nous commençons à entrepreneurs, faut que nous commençons à faire notre confiance pour nous importer produits en grande quantité pour nous faire bateau fer, bateau ciment, pour nous suspendre avec la République dominicaine qui estimait que c'est yok kafel, nous pas kafel. Yo dit yo pral mécaniser agriculture pour haïtien pour moins haïtien parce que yo connaît, yo pas dit yo dépend de nous vraiment non. Mais yo dit yo pral mécaniser pour yo contrôler frontière là alors. Pour qu'il y ait moins de monde qui entre illégal. Mais comme quoi moun sa yo yo pas besoin yo. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc, il n'y a pas jamais senti qu'il y a besoin qu'on utile à quelque chose. Eh bien, le mécanisé agriculture la Kali, nous-mêmes, haïtiens, parce que ce n'est pas avec nous, on a mis qu'on est. C'est tout haïtien. Après, déclaration, ça, nous avons fait. C'est tout haïtien qui est supposé insulter. C'est tout haïtien qui, pour orgueil, de pousser nous pour nous dire nous devons construire le pays nous. Yo dit yo visa yo te suspend yo te suspend indéfiniment, yo pas bail visa encore. C'est comme quoi c'est cadeau te qu'on fait cadeau visa. Bon pour frontière l'ouvrir, ça c'est une condition nous gagner. Raquette yo pour yo mettre dans consulat yo les consul yo nous pas accepter yo encore en Haïti parce que leur vini yo dit on visa vendre $225. Yo même, yo voyez raquette nous même nous gagne raquette pas nous ici. Moi même rete à quelques mètres du consulat dominicain à Wanamet. Là on te fait venir dans zone là. Chaque 5 mois toujours un pile moun là, moun qui vient chercher visa, moun qui vient faire demande. Ça pas existé encore parce que yo entre la nuit, yo porte passeport dans igloo, dans boîte igloo. Yo ramasse magongo, yo mette raquette dans la rue. Qui peut aller chercher passeport? Le raquette vient nous visa. 600, 700, 800 dollars, yo dou c'est $400 consul l'a touché. Le consul l'a touché $400. Et puis yo dit nous, dernière 3 mois, dernière trimestre qui sont passé à là, yo vend 27 000 visas. 27 000 visas à $400 américains, li bay 10 800 000 dollars. Peuple haïtien, frère Maxime, yo, imaginez le projet. Parce que le ONG vient en Haïti, il y a un projet de $10 million, son méga projet. C'est un gros projet. Alors, mais comme ça, nous avons un homme pour nous reconstruire le pays. Nous, on nous suspend quoi? C'est nous pas qu'à vivre sans Dominique. C'est Dominique qui plus pas qu'à vivre sans nous. Parce que nous connaissons pas qu'à Kembe, mais nous connaissons tout. Nous mettons tête, yo, parce que moi-même, je dépense longtemps. Magistrat dominicain, mais d'ailleurs, vous n'avez pas dit, dans le mois de décembre, nous avons fermé les frontières. Il dit que c'est un chantage d'affaires, mais nous connaissons son petit grand, vous nous avez fait une semaine. Nous avons fait une semaine. Nous avons fait une semaine. C'est pas de permettre. Il est important pour que nous avons dit Madame Woodline Pierre. Très bien. Très bien. Dans mon seconde, nous après aller continuer tendre n'a continuer tendre Woodline Pierre en seconde n'a on prend break avec Foucault Tactique 9 n'a tourné. Tactique 9 n'a tourné avec Foucault Tactique 9. Alors n'a tourné avec Woodline Pierre qui t'a banné explication sous dossier et son paquet de bagages parce que qui s'est passé, il est extrêmement important. Il y a me fait calcul là et me voulait pas y attendre ça. Me fait calcul là et tout à l'heure encore, m'étais parlé sous ça dans l'émission qui était sortie à midi hein. Et côté que m'étais dit nous clairement, imaginez-nous 30 000 Haïtiens qui achetaient visa dans 3 mois seulement. Achetaient 30 000 visas dans les Dominicains. 30 000 visas à $700 américains. Mes amis, nous avons imaginé quand c'était comme ça fait. 30 000 visas dominicains à $700 américains. Moi-même, dis-nous ça. Moi, songez 16 décembre 2022.
m'achète ton visa dominicain pour $700. OK? On nous fait 30 000 encore, parce que c'est important. 30 000. OK? On a dit c'est 30 000. Meni, 30 000. Chiffre ça, on a multiplié par $700. Multiplié par 700. Meni, multiplié par 700. D'accord? Mes chiffres que baye. Meni. So, on regarde devant, c'est 21. Derrière, c'est 6-0. Ça veut dire, là, 21, là, un chiffre devant, ou bien deux chiffres devant, et pour 6-0 derrière, pas que l'autre bagaille. C'est million, je veux dire, automatique. Ça veut dire 21 millions de dollars américains. Que Dominique fait dans 3 mois, dans 20 visa avec Haïti. 21 millions de dollars américains. Ou imaginez, 30 000 haïtiens à 21 millions de dollars. 30 000 haïtiens. 30 000 haïtiens t'a organisé, ou dit tête, ou, admet tête nous ensemble. Nous 30 000 là, nous gagnons 21 millions de dollars américains. N'a pas investi dans telle région, dans pays là. Est-ce que haïtiens pas qu'à faire tête ensemble ça? Nous pas acheter visa? Ok, mais quand c'était haïtien, on nous lance un bagage comme ça. Pour nous monter côté, pour nous monter force nous. 30 000 haïtiens, 21 millions de dollars américains. Dans 3 mois. Et puis, ils payent pauvres. Ils sont peuple qui pauvre, qui n'a grand goût, qui n'a souffrance, qui pas qu'à manger. 21 millions de dollars américains. Est-ce que vous avez dit? Pour engagement, non. N'a pas tourné sur ça tout à l'heure. Et voilà. Nous. Patriote haïtien que nous allons recevoir là depuis dans Montréal Canada que pour nous font parler ensemble avec lui et voilà il est extrêmement important pour nous pral faire un petit parler ensemble avec lui c'est conséquent qui depuis dans Montréal Canada et non seulement li pral ba nous et il est parlé de construction canal là et en plus de ça li gen des activités effectivement que yo même qui son groupe haïtien qui représenté alors capable dire alors cap travaille pour cap travaille pour Haïti dans communauté haïtienne dans la diaspora surtout dans pays Canada et ben effectivement nous allons faire un petit balancement avec lui pour dire nous quelle activité qu'il a préparé là pour pays parce que yo même qui d'homme sur que voyo important pile pour garder comment travailler dans ce pays dans ça qu'il trouve là on nous recevoir lui famille pam comment nous content pour ensemble avec sur plateforme YouTube Fubeto. Eh bien, merci bientôt. Mon cher, nous en forme, bon, nous t'es capi en forme que ça, mais on connaît. Et pays, nous a passé, on travaille, donc, nous pas capable d'aller mieux. Donc, j'en ouais, pays a souffri, c'est qu'on s'en bat, c'est nous tous qui dans la diaspora, nous a souffri. C'est dans ce sens ça. Et nous-mêmes, cap vivre dans la diaspora, plus précisément dans le Canada, et, faut nous mettre en tête nous que nous pas capable faire silence et nous pas décider faire silence pendant que pays Haïti a traversé situation
ça yo, nous tout nous connaît, nous pas besoin de finir pour nous, nous connaît qui ça fait. Très bien, nous pas besoin de finir, permettez-moi. En nous font une présentation, parce qu'il est important pour que le grand public là connaît effectivement qui est ce qui parle avec eux, qui, parce que dans le Canada, monsieur, qui débute de voir, il y a connaît qui est, mais pour toute plateforme YouTube, il faut mettre au Capando et toute la plateforme qui va le poster, ça va, et ça, ça que nous va le partager avec eux là, fait au connaît qui est ce qui, alors, qui est, font une présentation pour nous, s'il vous plaît. Ok, donc non pas moi, c'est Bertie Antoine. Donc mais moi pas parler non pas personnellement pour activité ça yo, nous pas annoncer là yo. Très bien. Et moi c'est représentant ou bien moi c'est membre coordonnateur ou bien coordonnateur aidé dans Canada. C'est un membre coordonnateur. Oui, parti politique aidé Canada. Très bien. Oui. Voilà, oui. Et nous content pour ensemble avec aujourd'hui hein, et public là monsieur que yo connais non mais moi connais non tout, moi content pour que me gagnon. Mais naturellement avant que nous rentrions dans toute l'autre point que nous pour aborder dans l'académie, hein, tout d'abord cette question ça li d'actualité et faut monsieur que l'a intéressé ou et parce que n'a pas du problème pays d'Haïti, activité pour le faire les concerts de pays d'Haïti. Mais naturellement nous gagnons dossier Haïti avec la République dominicaine. Moi en tant qu'haïtien qui vit dans diaspora, comment ouais président dominicain Luis Abinadel qui prend décision naturellement de façon unilatérale pour qu'il ferme les frontières et puis pendant qu'il ferme les frontières là il continue à manquer à ses dégâts et puis dans même moment un groupe messieurs nous capables les oligarques dans pays d'Haïti cap monter complot ensemble avec elle pour ouvrir frontières comme si d'adou de manière unilatérale encore ensemble avec lui en façon pour capable continuer quand on rentre on sait des produits que l'état il se pas des pièces contrôle sur yo on sait des produits yo même la caillo automatiquement ou pas rentrer dans le pays d'Haïti avec produit c'est jeté ou jeté c'est tout yo fouyé ou mettel pendant que yo même supposé prendre produit pour stocker pour manger nous on pas manger mais yo tout prend yo jeté ou même comment comprendre décision la Dominicanie et situation pays d'Haïti avec la République dominicaine. Bon moi même moi pas commencer pour moi dire un bagaille et que tout le monde capable observer pour yo wè contrairement à ça moun qu'on a dit ou gen droit grand bout ça pas vle dire ou pas de dignité, haïtien soit montré. Nous, ouais, que gouvernement, bon, nous, ouais, j'y ouais, que premier ministre l'y fait, devant tribunal Nations Unies, côté que lui, ouais, on vend, lui, ouais, on vague cap surfer, lui, bon, dissous, pour le surfer, pour le montrer côté, lui, soi-disant, nationaliste, patriotique, mais nous connaissons le gros ventilapli, parce que lui fait déclaration, ouais, il est arrivé sous peuple. Et, entre-temps, Mabdinoli, c'est pas seulement peuple haïtien qui a dit sa moualdian, peuple dominicain, tendez le tout. Parce que nous, tous nous sur réseau, nous tendez comme un journaliste ou bien même habitant de République dominicaine, soit haïtien qui a vivé là-bas, ou bien peuple dominicain, il dit son seul vis-à-vis si Haïti te gagne, fréquentité ça pas ta passé, il dit c'est Claude Joseph. Ok? Il dit lui, parce que nous tous nous tendez le. Qu'est-ce qu'il qui fait? C'est que, et c'est normal, le ou gen yon, le ou gen yon, ou timoun, par exemple, en tant que chef d'État, t'es capable d'yon père de famille, ou wap maltraiter, wap dénigrer li, ou mépriser li, ou bon comportement manchou bien par rapport à li, et puis wap attendre nous pour voir bien respecter li. Mais timoun nan li même li connaît. Li konnen, c'est pour ça lui-même l'a cherché Wol Grandet li, peuple l'a cherché Wol Grandet li pour le débarrasser le gouvernement Ariel Henry qui pas mené aucun côté. Justement. Et situation li compliquée, comment alors yon ti idée pa ou du moins comment ouais dossier construction canal là définitivement parce que non seulement peuple là lui-même l'a cherché moyen pour qu'il est capable gain pour capable gérer propre tête lui dans domaine non, mais comment ouais dossier construction canal là parce qu'en pile monde Canada justement tellement abat bravo pour peuple haïtien qui dans Wanamet pour travailler ça comment ou même qui position pas sur dossier construction canal là. Bon, nous même dans idée bagaille canal ça c'était toujours une priorité pour nous depuis très longtemps. Nous avons de toute intervention. C'est fait d'abord premier accord qui était signé pour Bagay Canal ça, entre deux parties, et République dominicaine. Bon, c'était sous leadership Dr. Claude Joseph. Effectivement. Donc, nous, tout haïtien au courant de documents. Donc, c'est pas un bagaille que nous, maintenant, aider, nous prenons à la légère. Bon, semaine dernière, là, nous avons eu une délégation aider, nous avons voyé encore sous frontière là, côté côté Kishoy pour Mounio. Non seulement n'a supporté Canal là, au niveau de tout sacré, les défendre droit international qui va Haïti et ont priorité sur le canal de la République dominicaine, mais tout,
n'a physiquement n'a supporté Mounio pour gros travail ça que on a fait. Malheureusement, nous pas capable pas parler encore de gouvernement insouciant ça, gouvernement Mafoubé Ariel Henry qui ont paquet matériel que nous t'a visité nous montrer matériel ça yo, Mounio a travaillé zon yo son canal pour faire un gros travail de titan. Par contre, pays a gagné des matériels qui coûtaient un paquet de comme contribuable yo qui t'achetait matériel yo pour yo capable effacer mémoire président Jovenel Moïse tankou et leader Claude Joseph Tédili parce que au fin détruire personnalité li yo détruire physiquement kounya yo les détruit mémoire président donc c'est pour ça y a quitté matériel ça au cramé que matériel ça était capable aider sous canal là pour yo fourrer pour construction était capable faire de manière plus sûre et plus rapide. Bon, ça me dit tout bagaille, ça me dit que moun sa yo, yo pa vin régler en rien pour nous. C'est à fait ti groupe, ti zanmi yo, y a réglé et puis avec un comportement de tchoul, un comportement de reste avec, ouais, très souvent le bagaille qu'on s'arrive, peut pas ici pas qu'on ait combien de délégations qui a traversé nos frontières allemandes et pardon. À chaque fois, bon action qui fait. Parce que c'est habitude gouvernementale. Effectivement. Voilà, maintenant, on est rentré dans l'activité que aider comme jeune parti politique, effectivement, qui finalement a établi les tout côté qui gagne ici dans la diaspora. Et nous-mêmes, beaucoup de panneaux dans la plateforme YouTube, mais Fouberto, nous c'est une plateforme qui vend pays et parti politique ça, parce que nous croyons que faut gagner une autre façon et pour que politique en fait en Haïti, parce que nous, elle, dans plusieurs autres pays, et ça qu'a fait en Haïti, d'après l'analyse que nous faisons, nous-mêmes, nous, qu'il pas politique. Et puis 37 ans, c'est la haine qui a exprimé. C'est division totale, un pays complètement divisé, c'est intérêt personnel qui est primé. Mais là nous docteur Claude Joseph t'est venu ensemble avec IDEA, mais quelque part nous dit que mais si mis avec vient avec IDEA, c'est sûr qu'il est entouré par des monde qui comprennent et ça ou les faire politique là autrement. Et maintenant naturellement pardon. L'action que nous elle a posé, nous que naturellement monsieur une promotion qu'il a fait pour intégration la jeunesse haïtienne dans la politique dans le pays d'Haïti. Et que quelque part, nous voyons que, justement, si nous sommes capables de camper comme jeune garçon, la faire promotion pour que jeune rentre dans la politique, c'est que jeune yo, et la baille des détails, la marche dans tout coin dans le pays, dans toute l'école, dans toute l'université, dans toute province, et où est-ce que l'on bagage que l'on vit offrir. Nous demandons à la jeunesse haïtienne, à nous suivre Dr. Claude Joseph, à nous parler ensemble avec elle, pour nous connaître ce qui s'est dans la tête. Li. Et puis finalement, dossier. Alors l'idée qui s'est aidée, population comprenne ni yo en façon ou même comme haïtien qui vivent dans Canada qui t'embrasser l'idée ça comment effectivement et communauté haïtienne dans la diaspora capable dire plus précisément dans Canada et ouais parti jeune parti politique qui aidé comme ou même comme représentant parti ou du moins comme membre fondateur parti a bon faut me dire bien grande expérience c'est vraiment qu'a fait c'est un bagage à observer son bagage pour Mounio et observer de près. Parce que jeune yo, t'es gon bon titan, yo pas impliqué en politique. Soit ton petit groupe a tout fait, qui qu'on rentre avec un mille goud, yo rentre font un mouvement et de feu de tout bois, et puis, bon, qui pas aucune consistance. Mais là, nous, qu'on y a un paquet de jeunes, c'est la première fois, ça a toujours touché, même moi-même, tout dans la ville, c'est la première fois, il y a 55 ans, c'est la première fois, moi, rentré dans un mouvement politique. Parce que mal identifié avec mon leader qui c'est génération camarade moi et zanmim et puis bon c'est pas seulement pour cela que moi ouais qui prend bâton pèlerel qui dit la changer bagaille pour le corriger ça et nous on te fait OK bien. Et puis qui t'a servi dans le gouvernement malgré tant